Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et aujourd'hui, c'est lundi 17 mai 2021. Nous avons prolongé avec un week-end, puisque nous connaissons la fête de drapeau. Déjà, nous parlons de la fête de drapeau, nous, comme ça doit. Qu'on voulait le coup pas voulu. Il était 18 mai quand même. Alors, nous pouvons entrer dans le détail d'information. Il y a un gros lapin qui tombe dans le département de l'Ouest. Mais nous-mêmes, nous ne parlons pas ici, dans le département de la Tibonite. On a regardé pour nous si aujourd'hui, il y a une petite possibilité. Parce que traditionnellement, toujours 18 mai, 17, 18 mai, toujours un lapin qui tombe. Et nous allons regarder pour nous est-ce que c'est ça qui a passé tout ça avec Christelle Saint-Georges qui va nous plus de détails comment température à pied pour journée 1 avec demain si Dieu veut. Bonjour Christelle. Bonjour toute équipe là, auditeurs, auditrices, bonjour pendant chaque, bonjour à toute la jeunesse haïtienne. Non, mais comment situation météo après le Caraïbes sous Atlantique aujourd'hui, lundi, qui c'est 17 mai 2021. Nous avons un cap soufflé qui sorti dans l'Amérique centrale, qui s'est levé dans l'Asléa, humide et instable sous Grande Santillo. Activité la pluie avec l'orage. Donc, plus fort département PIA, nous fait journée, pour y avoir un mi-temps de mi-plan, c'est ça, nous prévoit. Le département nord-ouest, la Tibonite, ou à Soya, c'est l'ouest, Nip, sud, sud-est, avec Gredin. À de la pluie modérée, fait des fois gros coup de la pluie. Quand on prend une saxonne qui entoure Nyon, c'est la pluie faible, modérée, à gros coup de la pluie, tout. Nous prévoyons ça dans pile et quartier avoisinant, dans le commencement soirée, dans le temps soirée. Pour la meilleure, c'est un fil précaution, s'il vous plaît, ou même qui a traversé zone côte nord, comme Flagonal surtout, dans Flybordio, dans Batoyo, en précaution, un fil prudent, s'il vous plaît, pas bombarder ni Flyboard, ni bateau, avec un pile charge, avec un pile monde, pour capable éviter monde souffrir, s'il vous plaît, éviter monde mourir, s'il vous plaît, sous la main. Zone côte sud, en pile précaution, côté vent soufflé jusqu'à 20 nœuds, hauteur radio à peine à 6 pieds, mitan la mer, cap mauvais, nous considérons qu'il y a un bagage soufflé, invité, mitan la mer. Matin, soleil a pleuvé à 6h15, la pluie à 6h15, levé mardi matin à 6h15. Température virée col par la journée entre 27 à 36 degrés en moyenne et la température entre 18 à 24 degrés Celsius en moyenne. Par rapport à la quantité de la pluie déjà enregistrée et puis l'activité de la pluie à courageux continue toujours sous pays, unité hydrométéorologique, météorologique, direction générale, protection civile accompagnée des secrétariats permanents, tabjiré risque avec des ans, mombé avec population qui habitait dans zone malais, pondje, bon ravine, bon rivière, non flamande, on tirait côté, rivière à compte descendant, tant pris souple, était plus vigilant, respecter consigne sécurité. Habituellement, dans le gros la pluie, gros coup de l'orage, nous prévoit qu'il est capable de provoquer inondation sans nous pas attendre dans le département la Tibonite, centre, l'ouest, sud-est, avec grandance pour aujourd'hui, avec demain. C'est là nous mettons un bout de ça qui vient pour nous affaire. Météo, n'a remercié l'équipement, auditeur, auditrice, nous souhaitons passer un bon lundi avec une très belle semaine. Déjà, bon lundi et bonne semaine. Attention, pas capon. On est rangé comme nous parce qu'ils ont annoncé nous des possibilités pour gagner l'appui sur le département de la Tibonite et même risque pour gagner inondation. Eh bien, on est rangé comme nous. C'est pas les dominants de nous pour nous chercher coup de cabane naïe, mais depuis bien bonheur, nous cabane nous camper, dormir pour nous laguer comme nous. Donc, attention, pas capon. Veillez côté, nous mettre papier, nous protéger en cas de gagner gros l'appui avec inondation qui a arrivé sur nous. Arrivé une ville qu'on arrive dans une situation un petit genre délicat. En entrant avec information, yo, dans sa guépo avec accident qui fait sous la mer, son naufrage, eh bien, après-midi samedi 15 mai 2021, yon petit bateau que mon yore le sous nos flyboat, a dit
bâtiment qui a volé, eh bien, il veut faire naufrage et tout près Zile Lagounav. D'après information, yo, t'as déjà joué presque une dizaine de monde qui victime, mais parmi yo, yo joué 8 survivants, qui ont un bébé la donne. Alors que passager yo, t'es un homme de 27 consacres qui t'après aller en Sagalais depuis Pocarier sans route à Caer. Il était dans un environ vers 5h30 dans l'après-midi samedi. Les tibatois, lui-même, t'es pour la rue, t'es pour de l'eau plutôt, mais elle pas jamais rivé et dans Zilea, il était sous la dalle, fait naufrage. D'après information que nous avons gagné, c'est manat, il a annoncé, moun yo sauvé yo. Entre temps, garde côte dans le pays d'Haïti, a travaillé pour ouais jusqu'à présent, si yo capable de joindre l'autre monde ou bien cadavre l'autre monde qui est victime dans naufrage si là. Plus d'état correspondant à nous, Dozé Nol, depuis Zile Lagounav. Yon flyboat qui fait trajet en Sagalé, Caries, en Sagalé, arrivé fait naufrage samedi après-midi aux environs 5 après-midi pendant t'a sorti Caries. Flyboat si là t'es porté environ 27 chrétiens vivants. Autorité yo nan semana arrivé recensé environ 8 survivants. Nan moment n'a parlé là gagné 19 l'autre yo qui t'a disparu. Selon Tidoudou, même Captain Flyboat là, t'a fait dit la ville. Tidoudou confiné, moteur Flyboat là, prend un faille, Captain ralenti pour retirer paille là, Flyboat là plongé dans l'eau dans moins que 25 secondes. Faut que nous soulier pour vous, t'es gagné. Yon ti moun 4 l'année qui sauvé parmi 8 survivants yo. Tandis que maman Timouna fait vrai pour pays sans chapeau. Faut que nous soulignions pour nous, c'est à cause parti passivité autorité yo dans ces mana surtout dans zone Caries qui permettent genre de catastrophe ça yo toujours continuer à répéter dans région gonavienne en Sagalé Lagounav Doré Reynold Radio Pyramide FM. Merci en pile Doré Reynold, c'est pas pour première fois Jean de Gramsayo a passé dans Zile Lagounav avec département l'ouest côté bâtiment toujours à couler et c'est seul moyen pour moun yo traverser parce que pas gain aéroport l'autre bord pour t'a dit que yo capable prendre avion pour aller, c'est presque même avec pays d'Haïti son pays entouré de tout côté. Donc pas gain l'autre moyen pour quitter pays que l'en mer ou bien pour avion, et bien, c'est même cas pour Zile Lagounav. En entrant dans l'autre point de domine actualité, mais fois ça c'est insécurité à terre, puisque dans le week-end ça a un pile monde tombé. Il y a un pile Zak qui répétait samedi et dimanche dans la capitale là, surtout. Et en partie depuis samedi, il y a samedi soir un agent sécurité rapproché, ministre Pradel Henriques Mouriak Bal dans Delma 75. Il estime qu'elle d'avoir plus que 32 balles. Victime n'a répondu au nom de Jude Maurice. C'est le premier élément d'information. Lui mourit et en dans un restaurant qui est en pile monde fréquenté en pile, alors que l'été gagné ensemble avec la ministre qui était trouvé, l'été gagné l'autre monde tout, l'été gagné mesdames qui devine bretti alcool avec ministre. C'est grâce avec mesdames ça autour, ministre pas arrivé et prend balle. Donc, gagné l'autre fonctionnaire qui était là tout, dans le restaurant ça, donc, yo, y a cherché contre qui est ça qui t'a derrière crime si là, d'après un rapport qui t'a gagné, il faut qu'on ait une prise de bouche entre victimes là avec un autre individu qui était gagné zam nan mel et qui t'a ouais s'il était capable de fréquenter espace là, et c'est ça qui t'a à la base assassinat rété plus confirmation nan dossier si là. Vérité sous tambour, c'est toute nouvelle pays à acte nouvelle internationale dans 30 minutes 63.5 Radio Pyramide chaque jour 9h matin. N'a toujours été dans sa gain pour avec dossier insécurité, et bien belle est toujours frappé, c'est une zone dans côté gang yo toujours estimé yo capable faire guerre. Eh bien, centre-ville là, pendant le week-end, on a tout frappé en pile tout, dans la zone 45, 470, route 9, là, on a pile coup de zam qui tape et chante. Eh bien, Gergang yo redémarré pour pire dans le centre-ville là, dans Port-au-Prince. Bien bonheur, et samedi 15 mai 2021, deux gangs rivaux belé yo, au moins, t'es marré goumé, au moins pour petit 4 moun mouri yo, d'après sa information qu'on est. Parmi moun qui mouri ça yo, gagné yo confectionnaire, chargeur.
et un monde qui connait fait chargeur pour inverter monsieur connait dans mi-temps centre-ville là d'après ça habitant yo fait connait et puis depuis dans matin bien bonheur samedi tout le monde était attendu en pile coup de zam qui t'a chanté dans Port-au-Prince côté habitant Calais qui vivent dans quartier Belle yo t'ai commencé à démarquer la caillou yo des peuple yo pas tant victime militaire force armée d'Haïti yo qui cantonné dans quartier général là t'ai pas position dans caserne yo sans que yo pas fait déplacement pour aller regarder qui s'est gagné pendant que balle lui-même t'a chanté n'est qu'il gagne gros âme dans meilleur te continuer à simer l'intérêt comme donc après blessé par balle qui est Jimmy Cherizier à la Babé Clouté recevoir et bien bataille continue il était à la fête dans la commune à Cité Soleil dans Port-au-Prince et bien force l'audio jusqu'à présent pour que j'aime capable mettre au bout avec affrontement Negameyo gain information qui a été annoncé que monsieur et Genève Famillo étaient décidé à attaquer Neg Cité Soleil et bien Cité Soleil yo bien bonnet et qu'étant météo et sur deux pieds et bataille yo était qu'étant à pas préparer tonne et moun cap venir et bien t'ai un pile coup de zame qui t'a tiré dans zone oui dans zone route 9 flan zone Canaran et bien pendant toute journée et samedi zone ça était complètement difficile. Alors femme d'où que gagne lycée Alexandre Pétion qui dans quelques quartier Belle c'est lui même qui considéré comme symbole résistance contre tout pouvoir. Eh bien, depuis quelques temps, monsieur qui a gros âme nan men yo et pas quitté aucune activité faite dans lycée ça. C'est une déclaration gouvernement qui fait qu'on est que pas le placer un centre de vote et dans zone non pour permettre un monde qui peut le voter dans référendum constitutionnel là, lui même il fait normalement. Alors forme de tout gagner l'autre détail sur ça qui a passé dans zone et dans zone Beléa côté que moun yo continue à victime chaque jour pour pipiti. Alors qui s'acte à la base de offensive sa yo gang caché différent les mêmes cap travail pour ouais c'est capable forcer moun cap vivre dans zone Belayo qui était zone ça on te dit là depuis bien bonheur samedi matin monsieur était déjà commencé tirer et ça a poussé moun dans zone là et quitter zone là. N'a pas entré dans l'autre point qui domine l'actualité en gagnant un gros incident qui arrivait dans la zone Delma 32, gagnant une station gaz propane qui est explosé, ça a passé samedi, 15 mai dans Delma 32, et yon habitant dans côté une zone côté gagnant un peu le cas qui là, comment ça a fait tout, d'après information que tu as vu jouer nous, c'est un côté au vent gaz propane qui lui-même explosé, qui t'a la cause en pile moun perdu et moun blessé gen ti moun tout qui t'a mouri d'après information qui t'a vinn joine nous. N'a pas aller dans l'autre point dominé actualité en gagnant avant arriver dans arrestation monsieur et la familia gen réseau protestant yo k'ap défend droit moun yo ak plusieurs autres structures dans secteur protestant en mettre à mettre bout à 3 journées prier yo té démarré yo jodi qui té commencé depuis le 15 mai k'ap fini journée lundi donc y a mettre bout à 3 journées ça c'est dans kafou aéroport qui c'est kafou résistance censé la rendez-vous en cassé à midi boule tout monde tout chrétien pour faire un gros cri délivrance pour pays k'ap subi toute zak insécurité ça yo en bas mais pouvoir PHTK, d'après ça, moun ki nan réseau protestant yo fait konnen situation pays a trouvé là, c'est seul bon Dieu qui capable de sauver li. Nous allons vite autant des déclarations pasteur Duverna Livio ensemble avec pasteur Gérald Bataille. Jean pays ça y est là, nous les chrétiens évangéliques, nous parlons devant Dieu. Mais d'une manière précise, lundi de 11h à 1h, Napsou Kafou résistance. Là à midi, bon cri de délivrance qui va le péter. Mes frères, même cap d'Adim, là, même cap coupé. Bible a dit, dans Esaïe 37, il y a Chan Kéri qui était, voilà, attaqué Jérusalem. Ézéchias à l'entemple, les vous lisez là, l'entemple. Et Bible a dit, il y a confusion pété, l'entrée Chan Kéri, l'entrée Syrien, l'une tout et l'autre. Pendant ces 3 jours, Nathan, ça bon Dieu va le faire. Nous pas préciser pour nous dire mais qui j'en bon Dieu va le délivrer. Mais nous croyons que bon Dieu va le délivrer pays ça. Nous croyons que dans le même temps ennemi pays ça, bon Dieu va le mettre confusion dans le même temps ennemi pays ça. N'attend bon Dieu. Et pays ça, ou mettre quoi dans bon l'autre pays avec bon Dieu. N'a pas bon Dieu clair. N'a pas de tout le monde, quel que soit à côté de venez jouer avec nous. Même si vous êtes protestants, vous êtes catholiques. Quel que soit le monde qui est là, nous attendons de 11h à
une heure dans la résistance là. Nous demandons toute l'église dans tout pays et pourquoi pas l'école jour lundi à, s'il vous plaît, en nous retirer quoi nous la caille nous rentrer dans l'église qui puis près là pour nous aller la prière pour demander bon Dieu un gros secours ensemble avec pays. Pas oublier ça. Dans lundi à partir de midi, pile, tout le peuple a pral crier, tout le peuple a pral relé en moué devant l'Éternel, pour que l'Éternel capable de dire un mot pour pays. Pays sous compte nous, l'Église, levez camper pour que vous capable à le côté bon Dieu. Dans repentance, nous demandons bon Dieu pour dire persécution et insécurité ça pour le tabac, pour le terminer et pour que nous tous ensemble va lever main nous pour nous bailler bon Dieu gloire. N'attendons nous 17, nous allons lever pays nous devant bon Dieu. Nous avons les déclarations, pasteur Duvena Livio, ensemble avec le pasteur Gérald Bataille, qui t'a pas prononcé yo sur trois journées prières et dérapées, qui a bout jodi, il a déjà annoncé, il a cassé rendez-vous à tout le monde pour venir joindre dans le cas où résistance dans Port-au-Prince. Gagné l'autre pasteur qui fait l'autre déclaration, on a venu sur lui tout à l'heure, surtout sur l'autre église qui est dans le pays, mais avant en aller dans le département de nos pays, puisque nous avons ensemble avec nous quoi. Correspondant nous, Jean-Claude Geoffroy, qui parle informé nous sur nouveau commissaire divisionnaire qui est installé dans la tête la police, c'est Jean-Louis Paul Ménard qui remplace le commissaire divisionnaire Jean-Claude, Julien Jean-Claude, et qui seulement passé 4 mois dans la tête commissaire là. Et puis, nous avons rappelé nous, et gagné, alors dans la tête police dans le département de notre pays, gagné tout volet qui était attaqué la caille nouveau doyen ou fait qu'installer pour petit bout de temps dans le département de notre pays. On a joint Jean-Claude Geoffroy. Bonjour, comment y est, comment débattement noyé, ville au cap, ça a passé comme ça, comment sécurité a été? Alors, bonjour à tout un auditeur, à ta auditrice radio pyramide, parce que nous débattement noyé levé avec un gros soleil, mais ça a dominé l'actualité dans le débattement noyé, c'est ça a fait l'insécurité. Et hier, dans la journée, il y a un nouveau directeur police annoncé, installé dans la tête police noyé, et c'est Jean-Louis Paul Ménard qui a placé Julien et Jean-Claude qui passaient 4 mois à pas diriger et force en police Nora. Nous avons perdu contact avec Jean-Claude Geoffroy. Nous espérons que nous avons tourné rejoindre tout à l'heure pour nous donner plus de détails sur ce qui a passé dans la ville et Cap Haïtien. Nous rejoignons Jean-Claude. Eh bien, oui, Jean-Claude, quand nous avons perdu contact avant. Oui, oui. Eh bien, Jacques est annoncé là, et c'est hier, au cours de la journée, et c'est Julien Paul Ménard qui est passé, et Julien Jean-Claude, qui est passé 4 mois dans cette force police en Nord, et Porto-Zoké est en fait après, et 12 mai passé, avec le 12 mai, à côté bandit, est entré la caille nouveau doyen, Diwok Petrik, bon, 2h du matin comme ça, mais c'est une information qui va faire hit dans la presse parce que, c'est la goumère pour moun tababa confirmer vraiment est-ce que ça t'est fait vraiment est-ce que bandit n'a pris la caille à nouveau doyen et faut dire que ça arrive tout c'est à cause blackout la capitale bandit dans la ville haïtien que la cause insécurité a augmenté dans ville pays bandit pas chômé et puis tout bon et patrouille la police ou pas fait vraiment juste à qu'on fait dans la zone qui entoure lieu dans ville haïtien tout ça yo qui t'a la cause et d'après ça que nous apprendre qui fait retirer et commissaire divisionnaire Julien Jean-Claude, qui passait 4 mois seulement dans cette police dans la ville haïtien, et il est venu avec Paul Ménard, lui-même qui a passé Julien Jean-Claude hier après-midi, c'est IG Vénard Chanoa et Joanny Canis, lui-même qui avait procédé à la cérémonie installation là, qui est déroulée dans la présence du commissaire gouvernement, délégué du Vénard Noa, puis Augustin, avec responsable commissariat, à sous-commissariat, qui n'a plusieurs communes de Batman Noa, c'est quoi sa situation, dans ville Cap Haïtien. Mais nous que, pour, ville Cap Haïtien, pour Blaise Abakava, qui est normalement à occupation, parce que, Dakarout là, lui-même, lui a passé raillé, quand passé le soir, ouais, qui est tout le monde déjà à la caillou, des bon 6 heures pour 7 heures comme ça,
parce que et fait noir confus dans différents coins ville cabahitien avec les communes qui entourent Lio. Et pour le moment on a parlé là dossier doyen malgré appel contact à nous faire dans téléphone pour nous capable et joindre qui a confirmé ça pour nous mais c'est dans difficulté que nous les joindre matin commissaire gouvernement cabahitien maître Richemont Florival qui confirme ça pour radio Télépyramide qui mercredi passé après installation li vers 2h comme ça le matin bandi rentré la caille doyen pour un petit bout de temps Diwok Petrik côté que il bandi saccagé et caille là et même si pas pris madame mi d'après ça qui nous apprend mais façon de que c'est information qui va faire trop grand parler de lui dans la radio dans ville capaïsien parce que information ta semblé cachée. C'est quelques confrères qui gagnent là, qui l'a gagné sur les eaux, Dick Allen. Jean-Claude Geffroy, il a tourné dans un dossier insécurité, puisqu'on t'a parlé de lui. Et pratiquement, comment ça y est dans la ville, là, Cap-Haïtien? Est-ce que mon Dieu? Il question, non? Et, n'a pas retourné sur le dossier insécurité, puisque tout à l'heure, t'as parlé de lui. Et, nous connaissons Blackout, là, c'est un plus gros problème lié. De comment ça y est dans la ville, Cap-Haïtien? Et puis, deuxièmement, qui préparatif qu'a fait pour fêter, fête de rapport, demain 18 mai? Bon, pour demain 18 mai, nous ne pouvons pas rien qui commence à faire comme préparation parce que vu là toujours été même gens, fatra dans différents coins, comme d'habitude, et vu qu'il y a un travail qui a fait comme quoi pour TPTC, SMGS, la rue et Abdégagio pour et ce qu'on a mis propre dans quelques points dans le Cap-Haïtien. Et pour aujourd'hui, c'est quelques écoles nouvelles qui mettent Timoun dans la rue avec Fanfan, Capa et marcher devant l'école, yo. Mais, je sais qu'on y est dans le Cap-Haïtien, nous avons défilé Fafa, plusieurs l'école, nous pouvons remarquer ça, nous va connaître, comme Libo, nous va connaître CFL Pita, mais pour le moment, on n'a pas là, nous pouvons remarquer un lien qu'a fait comme préparation pour faire du rapport dans le Cap-Haïtien de MSTV. Eh bien, merci un peu, Jean-Claude, si vous avez l'autre information, toujours prêt pour porter des détails. Bon, nous sommes toujours disponibles, depuis qu'il y a évolution, on n'a pas toujours été informé aux Radio Pyramide. Merci en pile, Jacques Geoffroy, c'était correspondant nous depuis le département non payant qui tape pour des détails sur l'installation nouveau commissaire divisionnaire qui est pour en tête en PNH dans le département non payant. N'a pas tourné dans le mouvement l'église qui a bout aujourd'hui, puisque nous connaissons n'importe quoi dans le cafou résistance là, il y a une grosse activité, et bien, il y a l'autre côté dans le pays, donc on a ville la Gonaïve, Saint-Marc-et-Latrier, et bien, tout chrétien qui dans l'autre ville doit réunir dans le cafou qui est proche dans l'église qui pipri, d'après ça, pasteur Achille Mathieu fait qu'on est, depuis le fait midi tapant, tout fidèle lieu doit faire crier contre Satan. Pasteur Achille Mathieu fait qu'on est, abgué trompette, qui doit jouer pour délivrer ce pays, Pasteur Achille Mathieu m'a dit, tout pasteur pareil lieu, préparer fidèle lieu en mode de prière avec confession. En tant que déclaration, pasteur Achille Mathieu. Moun qui dans l'ouest, après qu'a fou résistance, mais les gens qui sont dans l'autre ville de province, dans lundi à partir de 11h, il y a plein de carrefour qui sont prêts à voir. Parce que les batailles, elles sont batailles spirituelles, mais pas sur le ventre, ils sont dignes et ils ont mené la bataille sous force. Toute l'église qui est dans la ville de province, à partir de 11h, il y a plein de carrefour qui sont prêts à voir. Deuxième précision, dans le carrefour résistance là, nous avons demandé de trompettistes qui annonçaient par le son de la trompette cri qui pour fête là. Et trompettition, il y a campé des quatre façades de la terre. Il y a campé dans la façade nord sous la zone, il y a campé dans la façade nord sous l'aéroport, façade sud sous la zone, façade est d'Elma et façade ouest sous Port-au-Prince. Pour que véritablement nous secouer tout le monde, bon Dieu qui attendait nous et que délivrance pays a capable de vivre. N'a fini pour nous dire, tout le monde qui a engagé dans la prière ça. N'a dit pour yo, mon prier à pitié et compassion. Nous t'attendons des déclarations, pasteur Achille Mathieu, qui m'a dit pour toute l'église dans tout pays, quel que soit côté liant, de faire midi boule, aller dans le cafou qui boit l'église, et puis faire criant pour qu'elle fait bruit dans les oreilles, Satan, c'est sous de l'attendu.
N'a pas entré dans l'autre point de domine actualité, en gain, commission société civile, là, continue à mener des marches pour joindre une solution haïtienne, crise politique, qui a fini avec pays, hein. Et crise, ça, je ne vous dis, en arrivé extrêmement longue. Une nommée dans la commission, en pasteur, Sylvain Exantus, en quoi, il n'est pas normal, là, pour ces étrangers qui viennent mettre bouche, dans la cause pays d'Haïti. En dehors des déclarations, pasteur Sylvain Exantus. Bon, il y a deux mounes qui ont choisi déjà pour porte-parole, donc, on va lui faire interférence. Et sous question ça. Mais comité à commission sous pied, c'est pour aider à la résolution de la crise. Et ceci avec Haïtiens. Parce que nous-mêmes, depuis quelques temps, Haïti est crise. Et au lieu à l'autre instance venue, il n'y a pas jamais pour une vraie solution. Cette fois-ci, c'est Haïtien qui pour chita. Même j'ai la République dominicaine de par exemple là, pour nous chita une fois pour toutes, et puis résoudre la question. Il y a une résolution haïtienne que nous avons cherché à cause. Nous avons les déclarations, pasteur Sylvain Exantus. La police en République dominicaine a fouqué à Woodley Etea, alias Sanson La Familia, bien bonheur dimanche 16 mai 2021, d'après information, et qui était déjà venu de nous, il était en route pour rentrer dans le pays d'Haïti, et bien la police a arrêté, il aurait mis lui bail à direction centrale, la police judiciaire qui bat pour temps des CPJ pour aller chercher lui. Bien que cause d'arrestation pour qu'on révèle, d'après autorité dominicaine, n'a pas rappelé que Woodley Etea était déjà arrêté en Haïti, mais il n'a pas libéré. C'est juge Lamar Bélisère en avril 2015 et pour arriver mai 2018 en cours de cassation t'es annulé et décision juge Lamar t'es prend et auteur intellectuel fait enlèvement séquestration contre rançon trafic illicite drogue blanchiment d'argent assassinat association malfaite c'est tout chef accusation ça yo qui t'est retenu contre Woodley Etea d'après ordonnance qui t'est sorti mais jugeant lui-même quand même t'es libéré là. En entrant dans le dossier politique, il y a un ancien député commune Saint-Maclan Samuel d'Haïti qui fait qu'on est organisation État américain OEA manque crédibilité pour le jouer un rôle mitan chouette dans des marches pour résoudre la crise politique pays qu'on est, surtout à cause du secrétaire d'État OEA qui était déjà pris position en faveur du président Jovenel Moïse. Ancien député commune Saint-Maclan Samuel d'Haïti considéré OEA comme une instance internationale à côté des Nations Unies qui a accompagné l'équipe PHTK sous pouvoir pour continuer violer la constitution haïtienne non et côté a préparé monde pour aller faire un référendum ancien parlementaire après fait qu'on est a gagné une solution qui a joindre dans crise paysan mais c'est le président Jovenel Moïse qui t'est parlé à en temps de déclaration ancien député commune Saint-Maclan Samuel d'Haïti nous pas croire que organisation état d'Amérique lui déplacé pour que l'état capable parti politique de l'opposition avec le gouvernement joindre une solution de crise haïtienne non parce que là nous garder secrétaire général OEA et bien monsieur c'est un monde qui était dans cette notre sortie malgré la constitution haïtienne là je dis que mandat président Jovenel Moïse de 7 février 2021 c'est dit que l'OEA lui-même devait dire non c'est en 2022 c'est il y a lui écarté la constitution haïtienne. Donc, moi, pas après que, eh bien, de mission qui a sorti même d'organisation OEA, qui n'est pas crédible pour que l'individu du gouvernement d'Haïti. Pas après que nous faisons confiance avec OEA, parce que nous connaissons les relations qui gagnent entre le pouvoir PHTK avec le secrétaire général de l'OEA. Et heureusement, étant donné que j'ai des pays membres, eh bien, qui comprennent le complot, ça y a fait contre Haïti, nous voyons M. Sandel, eh bien, monsieur, quand même, il campe la face bouchée pour que le bagarre ne soit passé. Et nous pensons que le dossier haïtien, liberté, eh bien, aux dirigeants au sein de l'OEA, pour nous comprendre que pour dire, à caractère la question ça, que, eh bien, Haïti, c'est un pays majeur de diplomates. Parce que dans tous les diplomates, ils ont entré en Haïti, et ils ont tout cassé, ils ont tout cassé crédibilité lorsque ils sont de la caillou, parce que c'est de complot, ils ont fait pour détruire la population haïtienne. Moi, pensez que vous le gouvernement américain n'a pas eu le droit pour qu'il y ait cette pression, pour qu'il soit capable de
supporter monsieur Jovenel, que madame déjà fini. Parce que nous avons des congressmen, soit plus que 60 congressmen déjà explorés ensemble avec le secrétaire d'État américain pour faire valoir que monsieur Sahara était la dictature que lui a échoué en Haïti, étant donné que les États-Unis sont un pays qui a prôné la démocratie, mais pas parce que on est aujourd'hui en tant que le roi réflexion pour nous dire qu'il faut que cette population haïtienne ou bien des acteurs politiques en Haïti résultent. Et actuellement, la crise que nous avons présentée là, nous n'avons pas encore gagné des pays qui n'ont pas de solution pour nous. C'est nous-mêmes qui pouvons être ensemble, nous cherchons une solution. Et solution, il parle de l'autre côté qui l'a passé, que M. Jovenel, lui, cite pouvoir là, parce que son pouvoir, il prend avec autorité, avec gang, avec la police, que la gérer le pouvoir là, par rapport avec le mandat qui finit. Donc, nous n'avons pas encore été capable d'entrer pour dire ça que nous défaite, parce que pas crédible, c'est eux-mêmes, dès le commencement, qui violent la constitution haïtienne, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'OE, à toutes les organisations des Nations Unies, et de violer la constitution haïtienne pour que les problèmes là, et pas encore que le bien placé pour dire non, mais ça que nous défaite. Déclaration signée ancien député commune de Saint-Maclan, Samuel d'Haïti. N'a pas entré dans la ville Gonaïve avec un directeur départemental bureau IBES là dans la Tibonite, mais c'est une des gens qui fait qu'on est. Depuis mois novembre 2020, IBES a dérapé dans tout le département de la Tibonite là, côté autant, mais une campagne et prière dans tout un orphelinat. Mais c'est une des gens déclaré, ils ont tout profité, recenser tout un orphelinat et puis voyer dossier pour le prince pour permettre tout orphelinat ça accrédité. Si vous avez joué dans un orphelinat qui pas accrédité, eh bien, il y a fait même. Directeur Ibeslan dans le département de la Tibonite, mettant signe des gens, dit que ça fait un bon bout de temps depuis qu'il n'y a pas recevoir aucune plainte pour les gens qui ont fait ou bien qui ont pratiqué viol sous mineur. Nous allons inviter dans les déclarations signe des gens. Présentement, je dis, hein, il va depuis au mois de novembre, Ibes déplacé dans tout le département de la Tibonite. Nous avons une campagne de prière dans tous les orphelinats du département de la Tibonite. Et dans ça n'a fait là, nous tous recensons orphelinat, nous prenons des informations, nous prenons tout dossier, nous voyons au prince, parce que nous estimons que pendant nous là, pas un orphelinat qui n'est pas doué accrédité. Ou orphelinat pas accrédité, eh bien, inévitablement, la famille. Et nous décrétons tout orphelinat qui n'est pas gain accréditation, nous relève les orphelinats des sauvages. Pourquoi est-ce que je le dis? Ou pas qu'à dire mon petit monde géré, l'État n'a pas gagné. Ou pas dire que si vous nous gérer, ou pas venir dans le bien social pour faire déclaration. Nous, ce sont des illégaux qui fonctionnent dans le pays. J'estime que ce n'est pas possible. Maintenant, déjà cité à tout responsable d'orphelinat. Moi, dit orphelinat, c'est si vous nous gérer. Maintenant, nous connaissons bien être social. C'est celle instance qui est responsable protection dans le pays. Et faut-il qu'on soit capable de dire. La protection est transversale. Je dis à tout pays nous cap bien marché, c'est parce que protection respectée. Et moi-même, je l'ai dit toujours, me saluer la vaillance de madame Ariel Gentil-Vildouin qui portait une attention exceptionnelle, inhabituelle de la protection des enfants pour le pays. Nous connaissons le cas de violation qui a très répété dans le département de la Tibonite. Est-ce que dans le dernier moment, nous n'avons pas recensé aucun cas de viol dans le pays? Pour le moment, je ne connais pas. Parce que moi-même, je dénonce. Je ne dis pas dénoncer au cas de bagaille. Souvent, je ne vais pas arrêter de dénoncer. Qui s'est passé aujourd'hui? Son bande des Imoro. Pourquoi est-ce que je les appelle les Imoro? On n'est pas qu'à dire qu'ils doivent prendre 15 au lieu de prendre. Ou 30, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends fort mal. Eh bien, n'importe monde qui fait là, nous dit que pendant nous là, n'a pas arrêté. Pendant nous là, n'importe monde qui fait là, comme nul ne plaide pas procureur, médecine des peu n'est pas se déplacer pour faire telle ou telle chose, mais si on peut te plaindre, n'a pas réagi. Nous avons des déclarations du directeur IBESA dans le département de la Tibonite, mettant signe des gens. Avant de finir, il faut nous dire plusieurs agents BLTS qui s'est mis au lutte contre le trafic en stupéfiant qui saisit à dimanche 16 mai 2021 deux machines avec 2000 kg de marijuana. Machine ça y est, est sorti dans le département sud pays. Yot a pris direction Port-au-Prince. De l'autre côté, dans l'opération contrôle ordinaire sur route et que la police a amené dans la zone de la métropolitaine. A dimanche là, et bien bilan fini comme ça, yo détecté 108 machines
yo bay sans contravention, yo saisi 24 motocyclettes. Ça c'est un travail la police mené dans Port-au-Prince pendant weekend ça, côté yo t'ap essayer ouais si yo capable contrôler situation. On aller avant aller net avec un dossier santé puisque gagné un peu d'informations cap sorti sur ça gain pour avec dossier santé. Eh bien le ministère santé publique avec la population annoncé yo joindre deux nouveaux cas ça qui vient pour avec COVID-19 là, mais c'est un moun qui c'est un et sa maladie ça a plus gain rapport avec maladie qui sorti dans zone Brésil avec en Angleterre. Alors yo recensé deux nouveaux cas ça yo dans pays mais pas ben exactement à qui côté que yo joine deux nouveaux cas ça yo. Donc n'a ministère on l'autre fois encore renouveler attention pour dire tout net continuer que même mesure que nous avons gagné déjà yo, parce que maladie en livre tourner dans pays ya. Donc les dit suspendre marcher sans casque sans masque nous bailler bois balayer à comme distance et puis protéger tête nous laver mais nous chaque jour puisque maladie en fois ça les plus fragiles puisque yo joine deux variants dans pays an, c'est variant anglais avec un variant brésilien donc li capable poser en pile dégâts. Alors tout profiter mettez dernier bilan gagné dans 67 nouveaux cas COVID-19 confirmés et dans date 13 mai 2021 dans pays an, ça qui bail un total 13 460 cas qui confirmés, gain 1949 moun qui passé à l'hôpital, gain 271 moun qui mouri, gain 12 435 l'autre qui traité contre la caille. Donc ce dernier bilan que le ministère de la santé publique l'a mettait dehors pour annoncer nous que yo joine deux variants brésiliens avec anglais dans pays d'Haïti. Donc attention pas qu'on recommence avec une distance nous mais yo pas précisé qui bon exactement yo joine même j'ai été fait les que te joine maladie dans mois de mars 2019 là côté été annoncé yo te joine dans Saint-Michel de la Talaye mais pour le moment yo pas dit nous qui bon yo joine deux cas. Mais quelques petits points dérivés développés pour qui c'est presque première sortie pour semaine ça. Il y a un petit bateau flyboat coulé dans zone Lagonave avec qui fait plus qu'une dizaine victimes. Il y a joindre 8 survivants parmi eux, il y a un petit bébé 4 mois, maman l'a perdu la ville et correspondant nous Dorénol de ban plus détails sur ça qui est à la cause incident là. Dossier insécurité en pile qu'a fait dans la capitale la weekend ça, Jude Maurice qui c'est agent sécurité ministre Pradel Henri Kessa mouri aval dans un restaurant dans Delma et puis il y a une gros attaque qui fait dans zone Belé dans Port-au-Prince côté population 5 moun ta mouri plusieurs moun blessé dans accrochage coup de zame entre gang avec un gang. La police a arrêté un pasteur qui converti en chef de gang alors plutôt mouri dans échange coup de zame avec la police pasteur ça lui-même t'a frappé très fort et donc dans zone Delma yo mettez mes souli Delma 19 c'est là qu'on opéré son pasteur qu'elle taye, il changeait quoi, il vire quoi dans gang là. Pour lui-même gars les activités gang là bail plus cobe que l'église là et bien la police lui-même dans échange coup de zame qui était gagné samedi mettez monsieur dehors la joindre dans cette lieu. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous sans pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.